Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser le fond ou bien comment installer de nouveaux fonds sur votre système d'exploitation Windows. Donc, les fonds, c'est le style d'écriture qui vous permet de styler votre écriture selon votre besoin. Par exemple, si je lance Microsoft Word, par exemple, un nouveau document. Donc, je peux écrire, par exemple, comme ça. Donc, ceci est un style d'écriture, donc qui est calibré. Donc, pour le changer, par exemple, je peux changer le style que je désire. Je vais agrandir ici, ainsi, il sera visible, comme vous voyez. Donc aussi, il y a des styles personnalisés que j'ai déjà installés en préalable, comme celui-ci. Donc, qui est très simple à utiliser. Je peux même l'utiliser pour mon système d'exploitation, pour une personnalisation globale. Ou seulement, je vais me contenter de l'utiliser avec Photoshop, par exemple, ou bien avec Word, ou d'autres logiciels installés sur mon ordinateur. Donc pour cela, je vais vous montrer comment faire tout de suite. La manipulation est très simple pour installer les fonds. Il suffit seulement que vous allez sur le site à partir de votre navigateur internet 1001fonds.com. Tout simplement, sur la barre de recherche, vous pouvez chercher des fonds spécifiques que vous pouvez télécharger. Sinon, vous pouvez choisir selon ce que vous voyez, vous pouvez le télécharger. Avec un simple clic, il suffit seulement que vous vérifiez la licence. Donc, il y a des fonds qui sont totalement gratuits et d'autres avec des conditions. Donc, comme vous voyez, quand vous téléchargez, il suffit seulement que vous ouvrez le fichier compressé et ouvrir fond, ou bien le nom de fond que vous avez. Et après, tout en haut à droite, vous cliquez sur installer. Une petite barre va s'en charger à installer et va se fermer automatiquement par la suite. Et comme ça, votre fond est déjà installé et vous pouvez le vérifier en lançant un logiciel, par exemple comme Word, et vous pouvez l'utiliser sur un fichier ou bien vous pouvez l'utiliser pour une personnalisation de Windows. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.